Le cerveau présumé du scandale de corruption au Parlement européen, Pier Antonio Panzeri, va bientôt sortir de prison mais devra porter un bracelet électronique. L'ancien eurodéputé socialiste est emprisonné depuis le mois de décembre. Il est poursuivi pour corruption, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. Il reconnaît avoir accepté des pots de vin de pays étrangers et d'avoir corrompu des eurodéputés et d'autres personnalités dans le but d'influencer les décisions du Parlement européen. Pier Antonio Panzeri a signé en janvier un accord de repenti avec la justice belge afin de réduire sa peine. En échange, il s'est engagé à fournir des informations complètes sur les accusations pour lesquelles il est poursuivi. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, reste en prison, comme l'eurodéputé Marc Tarabella. Les prochaines auditions sont prévues la semaine prochaine.